Bienvenue dans mon atelier. Je vous propose sur cette chaîne, entre autres, de découvrir les différentes techniques picturales, dont ici la peinture à l'huile. Peinture à l'huile que j'utilise principalement parce que je travaille dehors et que, comme chacun le sait, la peinture à l'huile sèche lentement. Alors pour certains, ça peut être un inconvénient, mais là, en l'occurrence, c'est un avantage. Parce que si je travaille par exemple à l'acrylique en plein air, avec le vent, le soleil, le temps de préparer ma palette et de mélanger mes couleurs, et elles vont sécher. Donc la peinture acrylique, qu'on va voir aussi, c'est plutôt une peinture d'atelier pour travailler à l'intérieur. Et c'est vrai que les peintres plénéristes, ils travaillaient plutôt à l'huile. On dit que la peinture à l'huile est difficile, vous connaissez la chanson. C'est surtout parce que souvent on ne la connaît pas, on ne connaît pas son caractère. Et comme toute personne, en fait, il vaut mieux connaître le caractère de quelqu'un pour ne pas faire de bêtises, en fait. Alors pour commencer par quelque chose d'un peu général, une peinture, c'est un liant, d'ailleurs finalement c'est une colle, et des pigments, les pigments étant une poudre de couleur. Donc c'est le mélange des deux qui vont faire la peinture, parce que les pigments, ce qu'on appelle un pigment en tout cas, et qui est différent d'une teinture. Un colorant dont on fait les teintures sur tissu, par exemple, est une molécule de couleur qui se disperse dans l'eau, contrairement à un pigment qui, lui, est un élément solide, comme un petit caillou, par exemple, et qui, lui, ne se dissout pas dans le produit dans lequel il est baigné. Lorsqu'on parle de laque, la laque de Garance par exemple ici, c'est qu'il s'agit d'une teinture à la base, d'un colorant qui est fixé et qui devient un pigment sur un élément solide. C'est une matière et qui coule par exemple au fond d'un récipient. Là je nettoie mes pinceaux à l'essence de térébenthine, et vous voyez que on ne voit plus la couleur du pigment. Le pigment, en fait, il a coulé au fond. C'est bien que si je remue, voilà, là, on retrouve les pigments. C'est bien que la commodité, en fait, aussi, quand on nettoie en fait son pinceau, j'en profite, on peut récupérer donc l'essence, nettoyer le fond du pot avec un chiffon ou un papier essuyant pour ne pas jeter pigments dans le lavabo qui ne se retrouve pas dans les stations d'épuration. Il y a des pigments qui sont vraiment très polluants et qui, au fur et à mesure qu'on fait des bêtises, eh ben, on est dans le monde qu'on mérite et il y a des pigments qui deviennent interdits à cause de ça. Notre liant, notre colle, que ce soit de la gomme arabique pour l'aquarelle ou pour toute technique, parce que c'est l'huile, c'est le liant pardon, qui fait la technique en quelque sorte. Le liant va enrober chaque petit caillou, que sont les pigments, et construire un mur en quelque sorte. Cet encollage permet aux pigments de s'agglutiner, de devenir une matière homogène. Et cette colle va permettre aussi à la peinture d'adhérer sur le support à peindre. Voilà, ça c'est les généralités que vous connaissez sûrement tous. Bien, concrètement, qu'est-ce qu'il me faut pour peindre à l'huile? Il me faut des tubes de couleur à l'huile, des pinceaux, ça c'est des brosses poils de porc,
Un couteau à palette, c'est bien pour remuer, et puis surtout une palette d'ailleurs, pour mélanger ses peintures. Une petite pince parce qu'il arrive que les tubes de peinture soient durs à ouvrir. L'essence de térébenthine, c'est notre diluant. On pourra rajouter un médium qui lui est liquide, un médium qui lui est en pâte. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Bah, peut-être un support à peindre. Et on ne peut pas peindre sur n'importe quel support, hein, à l'huile. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pas? Il nous faut pas d'huile. On ne travaille pas à l'huile. Ce n'est pas un diluant. Et l'huile, c'est l'ennemi de la peinture à l'huile. Bah, la peinture à l'huile, c'est lent. Et il vaut mieux éviter de rajouter des sicatifs trop fortement. C'est un peu dangereux. On va penser à prendre aussi un chiffon et des fusains. Le couteau à palette, c'est pratique pour mélanger ses couleurs, c'est mieux qu'un pinceau. Parce que une fois que j'ai mélangé ma couleur, je peux l'essuyer avec un chiffon, il ne reste plus de traces et je peux mélanger une autre couleur sans salir. Vous trouverez bien facilement de quoi faire un gobelet. Il existe aussi dans le commerce des gobelet traditionnel qui se fixe avec une pince sur votre palette. Voilà, bon ben je crois que j'ai rien oublié, je peux commencer à peindre. L'huile, c'est une personne qui a un caractère assez particulier et avec lequel il faudra faire des arrangements. Parce que en fait, elle ne s'aime pas elle-même, puisque comme on l'a vu, l'huile est un peu l'ennemi de la peinture parce qu'elle jaunit simplement. Et elle, son excès, en fait, peut créer aussi toutes sortes de problèmes. Elle est particulière aussi puisque, en fait, elle crée toutes sortes de problèmes. Elle crée un film sec qui va être fermé, qui va pas accueillir facilement des techniques comme la peinture à l'eau. Et elle, en plus, elle ne peut pas se blairer elle-même parce que elle ne va pas accueillir une nouvelle couche d'huile. Voilà. Alors, tout ça, ça demande un peu d'explication. J'espère que ça ne va pas être trop rébarbatif. En tout cas, c'est le sujet de cette vidéo, comprendre l'huile. Se liant à l'huile, ce sont des huiles cicatives et il y en a de plusieurs sortes. Parce que vous avez par exemple, la plus connue, c'est l'huile de lin, mais vous avez l'huile de noix, l'huile d'œillette, et j'en oublie. Et qui, pour durcir, vont devoir emmagasiner de l'oxygène de l'air. Donc ce n'est pas un séchage. Le terme séché, il est valable pour l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, où en fait il y a évaporation de l'eau. Et donc, à un moment donné, cette colle, elle va pouvoir se former. Elle va être plus légère parce qu'elle va abandonner son eau. Et ici, par contre, l'huile sèche est plus lourde. Donc, elle va s'alourdir par rapport à votre tube de peinture. Parce qu'elle va donc emmagasiner de la matière. Notre huile, pour durcir, elle a besoin d'avoir accès à l'air pour intégrer à l'intérieur de sa structure des molécules d'oxygène. Elle a besoin de respirer. Donc si on l'empêche de respirer, c'est le cas d'un tube en aluminium en plus qui n'est pas poreux. L'aluminium empêche l'air de rentrer. Donc si c'est bien fermé en bas et en haut, l'air ne rentre pas et donc elle ne va pas sécher et cela pendant des années et surtout le fabricant lui il n'a pas envie que ça sèche trop dur trop vite à l'intérieur on va voir parce que sinon ces tubes sont invendables. À partir de ces phénomènes-là, on va devoir comprendre qu'il ne faut pas surtout, en tout cas quand on peint, empêcher l'air d'entrer dans la matière et de faire son travail de durcissement. Ce qui se passe si
la superficie d'une peinture sèche trop vite, elle va former, un peu comme dans ce tube, une peau durcie. Et la caractéristique aussi de la peinture à l'huile, c'est que une fois sèche, elle ne laisse plus passer l'air. Voilà, c'est embêtant. Et il faut que ça puisse donc sécher à cœur. Historiquement, l'huile était connue, en fait, avant l'invention de la peinture à l'huile proprement dite. Elle était utilisée dans la peinture à tempéra. Vous savez que, donc avant la peinture à l'huile, on peignait en fait avec des diluants à l'eau, avec différentes gommes, différentes encollages. Et aussi, à un moment donné, l'huile est apparue dans les recettes et dans les étapes du peintre, où l'huile était utilisée comme glacis en fait à la fin pour protéger un peu les couches picturales inférieures qui sont sensibles à l'eau. Et on ne savait pas trop comment s'y prendre pour peindre uniquement à l'huile. Ça peut se résumer aussi à ce que certains peintres font, parce que pour qui sont pressés en fait, qui trouvent que la peinture est trop lente, donc à se former, à durcir, ou on dit aussi à s'oxyder, puisqu'elle mange de l'oxyde de l'air. Et pour ça, ils peignent tout d'abord donc avec une peinture à l'eau, et puis ensuite, ils vont finir à l'huile, un peu comme ça pouvait se faire au Moyen-Âge, par exemple, à certaines époques. Donc, cette première couche, l'acrylique, elle, l'acrylique va sécher vraiment très rapidement par rapport à l'huile, et ils vont donc finir à l'huile. En tout cas, cet ordre-là est possible, parce que tout ce qui est peinture à l'eau est dit moins gras, et là on a affaire à une peinture grasse. L'huile est dite grasse. Donc pour comprendre ce que veut dire ce mot, parce que chimiquement je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut, si on a affaire à du verre, comparer ça comme si c'était une surface grasse, parce qu'elle est fermée et l'eau ne pénètre pas à l'intérieur, aucun produit d'ailleurs, quel que soit le diluant, va pénétrer dans la matière. Donc comprenez film gras dans le sens où il est fermé, il n'est pas suffisamment poreux pour accueillir une nouvelle couche. Contrairement à l'acrylique qui elle a été diluée à l'eau et qui elle va pouvoir accueillir une peinture à l'huile, que ça vous rappelle peut-être le fameux terme peindre gras sur maigre. Ça veut dire qu'il faut finir par du gras et d'abord commencer par une peinture maigre pour qu'il n'y ait pas de problème d'adhésion de ces deux couches-là. Si vous repeignez votre cuisine, vous savez que si elle est peinte à l'huile, maintenant, on a des peintures qui sont capables de faire ça, mais il n'était pas possible de peindre à l'acrylique sur une peinture à l'huile, il n'y a encore pas si longtemps. Nous avons donc deux problèmes à régler pour pouvoir peindre à l'huile. Tout d'abord, le fait qu'une surface, un film sec à l'huile, ne peut pas accueillir de couches supplémentaires par-dessus. L'adhérence se fait très mal, et également il ne faut pas empêcher l'air de circuler à l'intérieur de la matière pour pouvoir continuer le durcissement sous une pellicule de peinture qui serait sèche. Donc la solution à ces problèmes, c'est l'essence volatile, essence de térébenthine ou autre, qui va en fait se mélanger avec la matière et s'échapper à un moment donné, sortir de la matière, parce qu'elle est volatile, justement, elle ne reste pas dans la couche picturale, et en s'évaporant, en s'en allant, elle va créer comme des cavités, des réseaux à l'intérieur de la matière même, qui fait que, déjà, étant donné que c'est un peu plein de trous en fait, la deuxième couche va pouvoir adhérer, s'accrocher sur la première, et l'air, par ses réseaux, va pouvoir atteindre
la profondeur de la première couche et venir apporter de l'oxygène. Solution magique à la peinture à l'huile. Tout simple. Bon, mon histoire de réseau et de tunnel, ça craint un peu, c'est sûrement plus compliqué que ça chimiquement, mais ça permet, je pense, de se figurer assez simplement le pourquoi, le comment. En pratique, il suffit au peintre de venir imbiber son pinceau de temps en temps avec son essence volatile, qui peut être de l'essence de térébenthine, qui peut être de l'essence de pétrole, qui est historiquement un peu plus récente. Et là, encore plus récemment, il y a l'essence d'agrumes, qui est une essence dite écologique, et en tout cas qui a une odeur moins entêtante que l'essence de térébenthine. En tout cas pour ceux qui craignent les évaporations et les odeurs de l'essence qui peuvent vraiment entêter certaines personnes, l'essence d'agrumes, qui est un peu trop volatile, qui s'évapore vraiment trop vite, mais bon, elle a cet avantage de moins sentir. Ne rajoutez pas dans vos peintures, pour la diluer, de l'huile de lin. Tout ce qui est huile cicative permet de fabriquer sa propre peinture en rajoutant des pigments, mais elle ne sert absolument pas de diluant. Donc elle est à proscrire parce que l'huile est jaunissante. Elle a ce problème de jaunir et même les meilleures huiles finissent par jaunir. Et donc vos couleurs vont en pâtir. Et c'est le problème de la peinture à l'huile, c'est qu'en fait, l'ennemi de la peinture à l'huile, c'est l'huile. Et donc, il faut en mettre le moins possible. Et un bon fabricant va faire attention de ne pas noyer les pigments avec de l'huile, parce que c'est les pigments qui sont chers. Et quelquefois, il y a de l'huile qui coule des tubes, surtout quand il fait chaud, et qu'il faut absolument écarter parce que donc elle est jaunissante et c'est la puissance du pigment qui va couvrir en quelque sorte ce jaunissement. Voici ce que donne de l'huile en excès. C'est joli, on dirait de l'ambre, mais c'est un peu ramolli parce qu'il faut des pigments ajoutés pour qu'elle devienne plus ferme. Donc on ne rajoute pas d'huile dans sa peinture. On va la diluer avec de l'essence de térébenthine pour la rendre plus fluide, par exemple pour travailler des détails, parce que la peinture à l'huile est en pâte. Vous pouvez aussi utiliser un médium à peindre. Ici, il est fabriqué maison. Il redonne un brillant que l'essence de térébenthine fait perdre à la peinture. Pour le durcissement des couches épaisses, il existe des médiums qui ont la même consistance que vos peintures. Ce sont des gels transparents et cicatifs qui vont servir en quelque sorte de durcisseur. Ce gel s'ajoute en petite quantité à vos couleurs. Vous en mélangez pas plus de 20% avec un couteau à palette. Je vous déconseille d'ajouter du cicatif, même du cicatif de Coutray qui est le meilleur. Celui-ci est très difficile à doser, il en faut très très peu dans la matière. Nous allons éviter de brutaliser cette peinture à l'huile en comprenant sa nature, en respectant un long délai avant de repeindre sur une couche. Au bout de quelques semaines, notre couche picturale a durci. On va pouvoir donc la retoucher ou appliquer une nouvelle couche fraîche dessus. Et pour ce faire, on va s'aider avec un vernis à retoucher qu'on va appliquer sur toute la surface pour être sûr de la bonne adhésion. Et le problème d'adhésion entre les couches, vous n'allez pas le rencontrer si vous travaillez en une seule séance un tableau. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on appelle une pochade, où on va travailler du début à la fin de la peinture. On va la terminer en 3 heures, 4 heures, 5 heures, en une séance. Le choix des pigments peut aider la couche picturale à durcir plus rapidement et plus en profondeur, en particulier les terres naturelles,
ocre jaune, ocre rouge, etc. Anciennement, il y avait aussi les couleurs à base de plomb qui ne sont plus utilisées, qui sont interdites à présent, et qui permettaient donc une accélération du durcissement dans les premières couches. Avec une toile préparée à la colle de peau, ici de lapin, la toile respire, c'est-à-dire que l'air va pouvoir traverser par derrière, contrairement aux toiles préparées avec un gesso qui sont de type acrylique en fait. Et donc ma couche picturale, elle va durcir par l'avant, mais aussi par l'arrière, et donc mieux atteindre les couches profondes. Pour peindre à l'huile sur des supports cellulosiques comme le papier, la toile, le bois, le carton ou le contreplaqué, il va falloir les préparer avec un gesso ou type gesso qui empêche l'huile d'être absorbée par le support, d'abîmer le support et de ternir la couche picturale. Si les pigments sont privés de leur liant, c'est sûr qu'elle va moins briller et elle peut même partir en poudre. Voilà, donc vous avez évidemment la toile sur châssis. Vous pouvez peindre directement sur du médium. Médium, c'est un bois aggloméré et il a fait ses preuves, pas besoin de gesso. On peut peindre sur le parchemin. Parce que le parchemin, c'est presque l'équivalent de la colle de peau. On peut peindre aussi sur du métal ou sur du marbre, de la pierre, directement, sans préparation non plus. Ici, la peinture à l'huile est appliquée directement sur du papier, sans préparation, et on voit que l'huile a même traversé. La peinture à l'huile, elle durcit lentement. Donc, notre couche picturale, elle peut s'abîmer, elle est salissante. Donc, on peut fabriquer un petit meuble transportable qu'on peut mettre dans la voiture ou dans un coin d'atelier avec des clous qui vont faire comme un tiroir et les tableaux vont pas se toucher entre eux et durcir tranquillement sans ennui. Sur les chevalets de campagne traditionnels, on peut transporter deux tableaux et ils ne se touchent pas. Un qui va dans la mâchoire en bois et un qui est attrapé par le petit crochet là. Tac. Pareil en bas. Et vous voyez, ils sont séparés, donc ça ne s'abîme pas pendant le transport. La peinture à l'huile, elle durcit lentement. Donc sur une palette, ben, ça devient salissant. Là, c'est une palette ancienne qui se plie en deux. Donc, en fait, elle est moins salissante, elle est transportable parce que la peinture, elle reste à l'intérieur. Si on est gourmand, qu'on a des boîtes de chocolat en plastique, eh ben, il y a un couvercle et on peut refermer. On peut faire ça avec des boîtes de type tupperware également. Ou alors, comme j'ai fait, se construire une palette avec des rebords, avec un plateau qui vient à l'intérieur et des pinces pour fermer. En plus, la peinture va durer un petit peu plus longtemps dans des palettes qui ferment, puisqu'il y a moins d'air, moins d'oxygène pour le durcissement de la peinture. Et pour les amateurs de tradition, vous avez The Palette du peintre. À vous de choisir. Alors le sujet est vaste, on a de quoi étudier, de quoi faire avec l'étude des médiums, l'étude des couleurs de la palette, quelques conseils, quelques pistes. Comprendre la couleur aussi, ça c'est très important. Et comprendre les pigments, l'étude des différents pigments historiques, modernes. On va devoir aussi visiter un peu les différentes étapes pour peindre.
Voilà, rendez-vous donc dans de prochaines vidéos. Merci pour votre écoute. Vous avez déjà des vidéos sur la préparation de la toile. Il y a trois niveaux importants à étudier: le dessin, la composition et la couleur. Voilà. Après, la technique, c'est un peu moins important. Mais il faut bien l'aborder aussi. Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire. Privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.